Putain, il fait nuit. Eh non, j'ai de la loupiote. J'ai une lampe. Ça, j'ai trouvé ça, je sais plus où. Donc, salut à tout le monde. C'est Saint-Gabriel pour le 3e épisode de Stranded Deep. Oh, regardez-moi cette belle montre, je suis à fond. Donc ça m'emmerde un peu parce qu'il fait nuit, tu vois. Ça devrait se lever. Le soleil vient de se lever. Putain, qu'est-ce que je détestais cette pub quand j'étais gosse. J'avais cette tête de con là, du petit garçon Nutella là, avec sa petite coupe, coupe parfaite, sourire parfait, maison parfaite, parents parfaits. Et je trouvais ça atroce. Les enculés comme ça, ça n'existe pas. Alors, voilà, le soleil vient de se lever. On est heureux de retrouver la mairie Corée. Voilà, on est mieux là quand même. Donc je me retrouve pour le 3e épisode. Donc qu'est-ce que j'ai fait depuis? Donc, j'ai pas mal de stuff. J'ai trouvé une lampe. Ce qui est pratique quand il fait nuit pour repérer ma petite île. Ce qui serait bien, c'est... Bon, je fais le tour de l'île vite fait pour ramasser du stuff, un peu, des... Putain, comment ça s'appelle? Des fibres ou des conneries comme ça? J'ai remarqué, pendant le montage, ce qui me prend beaucoup de temps, c'est d'enlever les bruits de manette, hein, tu vois. Donc ça, c'est un problème de... Un problème de micro. J'ai pas du matos de ouf, hein. Donc j'ai été dans l'épave qu'on voit au fond là-bas, là, les petits bouts de patates qui dépassent. Il y a peut-être une deuxième là d'ailleurs, bref. J'ai été dans l'épave et j'ai ramassé, alors il y a un bidon, enfin un fût, du pneu. Qu'est-ce que j'ai réussi à choper sinon? Bon, de l'aloe, des fibres. Tu vois, j'ai de la bâche, des pierres, encore une pièce de moteur. Ouais, le pistolet, plus une autre bâche. Alors là, il y a 4 cornes, là, il y a plein de palmes. Donc, j'ai ramassé des trucs à chier. Je peux te dire que là, j'essaye de ranger tout ce merdier. Est-ce que j'ai de l'eau? Ouais, attends, faut que je remette de la palme. Donc, la palme, franchement, j'en ai ramassé. En veux-tu, en voilà. Là, j'ai plus de place, ok. Est-ce que... Ouais. Ok. Donc oui, j'ai ramassé de la palme à mort, quoi. Alors je mets de la fibre. Voilà. Enfin, je mets de la fibre, je mets du palmito. Donc j'avais eu un problème de feu. Et du coup, bah, j'ai reconstruit le truc de bouffe. Hein. Le fumoir, je l'ai reconstruit hein, avec le feu. Et du coup, le collège à oiseaux, il fonctionne. J'ai la petite mouette. Je pourrais peut-être la garder d'ailleurs, elle a l'air sympa, Hugan. Est-ce qu'on peut faire de la déco? J'aimerais bien qu'elle reste là, comme ça. En mode... Allez, cocotte! Cocotte! Je devrais la mettre sur le haut du truc, là. Je sais pas si elle va tenir, hein, comme ça. Voilà. Bon, elle a l'air un peu morte, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Donc, j'ai ramassé pas mal de trucs, hein. Donc, il faudrait que je regarde comment... Si je peux faire un radeau ou des trucs comme ça. Donc là, il y a les ceintures, ok. Donc, je peux faire ceinturon là. Ah oui, ce qui serait bien, c'est le truc pour faire du tissu. Ah non, ça c'est la construction, j'y suis pas encore. Véhicule. Je peux pas faire de véhicule pour l'instant. D'accord.
Le potager, je peux pas faire non plus le potager. Donc il y a le marteau rudimentaire que je peux faire. Donc je pense qu'il faut déjà que je débloque ça. Et la binette. Je dois faire la binette. Ah ouais, il y a la pioche. Il n'y a pas de marteau perfectionné? Il n'y a pas de marteau perfectionné. Donc le marteau, je l'ai fait, mais bon, je vais le poser là. Ouais, on s'en fout. Ça va être... C'est le bordel hein, quand même. Hein. J'avoue que j'aurais pu ranger pour la vidéo. Ah, faut que je fasse attention à ma bouffe et tout ça. Je vais quand même aller chercher un peu de poiscaille quand même. Faut faire gaffe aux nounous. Regarde, il y a des nounous et des oursins partout. Enfin bref, on s'en bat les couilles, on va aller pêcher plutôt par là. Ah, il y en a un là aussi, mais bordel. Putain, je viens de trouver comment lancer la lance. Mais c'est une femme normalement là. Bah oui, c'est une femme, pourquoi il a une voix d'homme quand il... Je vais bouffer que du dicu, hein. Allez Apparemment, je suis balèze en pêchage de dicu. La sardine. Qu'est-ce que c'est bon, la sardine? Bon, allez, ça va être bon. Ah, j'ai eu un poisson archer aussi. Je prenne le coutal. Voilà. Alors franchement, dépiauter un poisson debout comme ça, à mon avis, c'est pas possible. Mais bon. Mais bon, j'adore ce jeu. Franchement, il y a des jeux un peu plus... un peu plus réaliste, mais... Ah, un morceau de chair moyen. Et ça, c'est avec quoi que j'ai eu ça? Le poisson archer, peut-être? Voilà. Waouh! Cuisine level up! Donc, qu'est-ce que je voulais faire aussi? Moi, je vais faire les outils, déjà. Marteau, lance, canne à pêche... Flotteur de pêche. La lance de pêche, je verrai plus tard. Le tissu, le métier à tisser. La hache, c'est bon. La binette. Alors, une corde, un bâton et un outil en pierre. Mais de quel type? Ah, de type normal. Donc, je vais déjà faire un outil en pierre. Je voulais faire donc la binette. Donc, ça, c'est bon. Il ne manque plus que... la corde. Je crois que j'ai une corde par là. J'en ai même 4. Voilà, donc la binette, je vais la mettre. Ok, binette, c'est fait. Ouais, j'ai ça à faire aussi. Ça me permettrait quand même de péter des cailloux qu'il y a sur mon île. Je peux faire la pioche. Donc j'ai le cuir, j'ai la pierre. Il me faut... Ah, j'ai plus de pierre, il me faut un deuxième... Oh merde, j'ai plus de pierre. Ça, c'est con, ça. Donc je vais devoir aller faire un voyage pour faire la pioche. Ouais, j'avoue, c'est ça qui me manquait, la pierre au dernier voyage.
Donc là, j'ai deux petits bouts de patates. Bon, là, j'ai de la bouffe de secours. J'ai pas de pierre là-dedans. Ah, si. Ah, je peux pas la prendre, mais merde. Qu'est-ce que j'ai de trop sur moi? Oh merde, elle est pourrite. Ah, c'était de la mauvaise viande. Oh, le con! J'avais pas vu que c'était un morceau de viande avarié. Est-ce que j'ai perdu de la vie? Non, j'ai juste eu la chiasse. Putain, on voit vraiment rien. Hein. Bon, après, je pourrais me trimballer avec la loupiote, hein, mais bon. Bon, il y a la lune qui arrive, donc ça va. Donc je vais en profiter un peu cette nuit là pour faire... j'avais dit quoi? Alors j'avais un outil en pierre à faire. Putain. Ouais. Voilà, donc l'outil en pierre à faire. La 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 la. Donc voilà, il m'en fallait un deuxième. Je sais pas pourquoi il voulait que je la mette aussi haute. Donc ok, binette, je sais quoi. Barrez-vous ! Ouais, donc je suis en pleine forme, j'ai de la bouffe. J'ai fait trois outils. Ma mouette est là. La mouette au clair de lune. Ouais, bon, j'ai la dalle, c'est pas grave. Donc normalement, la pioche devrait me permettre d'aller péter les cailloux. C'est plutôt pas mal. C'est tout ce que j'ai comme pierre. Ah si, quand même. Si, si. Si, 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 si. J'ai rien dit, c'est pas mal. Je vais en profiter... non, c'est pas ça. Je vais en profiter pour prendre le yu-yu, le yuka. Parce que comme ça, je peux faire de la corde. Je pense que j'ai besoin de pas mal de corps pour faire du radeau. C'est un dépôt de pierre, ça, ouais. Ouais, j'ai dû un petit peu de mal à diriger, hein, faut pas m'en vouloir. Je suis pas un serial gamer, comme on dit. J'ai pas que ça à foutre, si tu veux. Peut-être jouer à la console m'intéresse pas vraiment. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est faire du montage. Est-ce que j'ai pété tous les yuka? On va dire que oui. Voilà, un petit paquet de fibres, un petit paquet de pierres. Les outils. Donc voilà. Est-ce que j'irai voir la construction? Ah non, faut que je fasse le métier à tisser surtout. Et ça, non, c'est pas là-dedans. Donc c'est dans bricolage. Métier à tisser, donc c'est ça qu'il faut que je fasse. Il me faut du bâton et il me manque une corde. Donc voilà, le métier à tisser. Qui va me permettre de faire du tissu. Du tissu, pas du tissu. Bon, je vais avoir une mouette. Est-ce que je la mettrai pas là en évidence? Ah, fait chier ce bordel. On peut le mettre là. Hein. Parce qu'on en a à foutre. Ouh, waouh! Il est balèze, hein. Je le voyais pas aussi.
Là, je pose les fibres. Par contre, ça, je sais pas comment ça fonctionne. Faut peut-être que je prenne des fibres, justement. Ah, le con. Il faut peut-être des cordes. Ah, il faut que j'aille sur tissu, peut-être. Attends, j'ai vu ça. Ah oui, c'est comme ça. Faut que j'aille dessus avec le machin. D'accord. Bon, j'ai eu un succès. Et ce qui fait que je me retrouve avec un tissu. Un tissu, pas un tissu. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je vais en faire un autre. Ça, je pense que le tissu et la corde, ça doit être le truc le plus chmurtsant à faire. Ouais, level up, bricolage. Je mets mon tissu là-dedans. Donc voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va le faire sous forme de question. Alors, petit A, est-ce qu'on va chercher du matos sur cette île en face? Petit B, est-ce qu'on va pêcher? Alors, petit C, est-ce qu'on fait un radeau? Et petit D, je décide parce que de toute façon, je joue tout seul. Un petit E, va te faire foutre. Va te faire abandonner sur une île déserte. Va te faire infecter. Yeah. Déjà, je vais bouffer. Poisson. Je vais prendre le gros. Ouais, c'est pas mal, ça... Je suis allé à l'ombre un peu. Ça me fait chier l'aloé là. Mais je suis à l'ombre là, qu'est-ce que tu racontes? Effet de statue, j'ai rien. Ah si, c'est bon, ça remonte. Faut que je me mette sous un arbre, ok. Parce que est-ce que j'ai tout pris de ce qu'il y avait là-bas? Alors petit A, il me semble que j'ai laissé un pneu. Petit B, il y a une deuxième épave et il faut que j'aille la fouiller. Petit C, j'attends là parce que je suis en train de crever à cause du soleil. Et petit D, va te faire foutre. Une deuxième fois. Yeah. Bon, ça remonte, j'aimerais bien faire un tour quand même. Je vais essayer de pas marcher sur un oursin. Je sais pas, il me semble qu'il y a deux bateaux. Ou alors c'est un... Ah si, là il y a les tonneaux, oui. Oh le con. Il m'a niaqué, mais je suis pas fait bouffer. Bon là il va se mettre à flotter, je vais peut-être pas y aller maintenant. Ouais. J'ai pas l'impression d'être blessé. J'ai perdu un petit peu de vie. Donc l'eau, je suis presque à fond. Il me faut à manger. Déjà, je peux bouffer une petite noix déjà. Donc j'avais dit quoi alors après? Le métier à tisser. Alors qu'est-ce que j'avais à faire?
J'avais à faire du radeau. Bon, ok. Je vais pas m'aventurer dans l'eau la nuit, mais je vais en profiter d'être un petit peu tranquille au frais. Qu'est-ce que je voulais voir? C'est où ça, le radeau? Ce serait bien de faire du bandage vu qu'il y a des requins. Bon, j'ai de quoi faire de toute façon. Je vais prévoir un bandage quand même. Je vais le mettre dans une caisse. C'était ici. Voilà. Donc j'ai le marteau sur moi. Je vais aller voir comment fait-on. Bon, le potager, d'accord, il va me falloir la binette. C'est ça que je peux faire, une base de radeau en pneus. D'accord. Je peux en faire en pneus, en bois, ou je peux faire tout en bois. Le pont, je peux faire tout en bois, en planche ou en tôle. Et pour le moteur, est-ce que j'ai ce qu'il faut? L'adhésif, j'en ai. Moteur de véhicule, j'en ai. Filtre de véhicule, je sais pas. Pièce d'injection de véhicule. Pièce de batterie de véhicule. Ouais, c'est peut-être. J'ai pas tout ça en fait, je pense. Du gyrocoptère, l'injection et le filtre. D'accord. Bon, écoute, je vais être obligé de bouffer ma mouette. Je cherche le petit bois. Où j'ai mis mon petit bois? Petit bois. Oh, bah, il est juste devant. Voilà. Bon, ça va fumer ça. J'ai deux petits bouts de viande. Bon, je suis à fond. Sauvegardement. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire? Faudrait que j'aille chercher les tonneaux là dans le machin, mais j'ai peur à cause des requins. J'ai peur de me faire bouffer par cette saloperie de requin. Pas du tout, faut que je pêche. Putain, ça me fait comme l'autre jour, j'arrive pas à les choper. Ouais, c'est plus pratique la lance quand même à quatre dents là. Donc ça c'est pas grave, c'est attaché. Donc la poiscaille, elle est là. Donc il me faut trois bouts de viande. Il me faut trois petits bouts de poisson. Donc je vais dépecer trois poissons. Et les deux autres, je vais les laisser là. Là, je vais rallumer ça directos. Voilà. Ça s'est allumé. Bon, ma sardine est là. Il ne me reste qu'une sardine. Ok. Il va falloir que je reparte chercher de la fibrasse, hein. J'en ai plus. Hein. Tiens, j'en ai plus, va falloir que je dégomme un palmier, quoi. Ah la vache, j'ai plus de quoi me faire de la flotte. Ah, y a des trucs sous terre. Est-ce que si je me mets là, le requin peut me bouffer?
Ah non, vas-y, chaque fois que je me rapproche de là, le temps se gâte, quoi. Oh la vache. Ouais, ok. Donc deux fois que j'essaye d'aller chercher des trucs, deux fois que je me fais niquer. Je vais aller chercher des palmes sur le trill là-bas. Est-ce que je suis en saignement? Non. Mais par contre, je perds de la vie à chaque fois, quoi. Ouais, bah on est vraiment sur de la survie. Hein. Regarde-moi ces vagues de porcs. Ce serait de la vraie mer, tout ça se serait inondé. Hein. Je regarde si ça remplit ma gourde. J'ai pas l'impression. Donc je vais préparer mon voyage. Donc ça j'ai pas besoin. La pioche non plus, la binette non plus, ça non plus. Donc je prends de la bouffe, je vais prendre des caisses avec moi, des caisses vides. Donc pas celle-là. Est-ce que ce serait bien que j'ai du bandage sur moi, c'est ça la question. Voilà, ok. Bah écoute, elles sont noires, ok. C'est pas grave. Le tissu, le pistolet. Comme ça, je garde ça. Je suis emmerdé avec le requin là-bas. Hein. Faut que je fasse des lances pour le tuer. Mais je vais pas d'abord faire ça. Voilà, donc comme ça, j'ai mes caisses et mon truc. Donc je retourne à l'île en face là, que j'ai commencé à démonter. Et j'y vais doucement avec parcimonie. Allez Jean-Mich, il est keblo ce con. Faut tout faire à la main, sinon. Voilà. Donc c'est l'île qui est là, si je me trompe pas. Ouais, le requin, donc il va falloir que je fabrique des lances en bois là. Et que j'en balance. Je crois que c'est une bonne quinzaine. 15, 16 peut-être. J'avoue que je suis pas du tout prêt à combattre un requin. Hein. Parce que la visée dans le jeu, franchement, c'est très très compliqué, je trouve. Enfin, on voit le problème avec le poisson. Je vais essayer de voir si je peux pas me trouver un petit rocher, un genre de promontoire où je puisse viser le requin sans me faire attaquer. Ça, ce serait cool. En même temps, alors je peux me soigner, mais je peux aussi sauvegarder, quoi. Voilà, le temps se gâte, non? C'est pas trop un problème si... Hop là, si je clamse. D'ailleurs, j'ai pas sauvegardé pour l'instant. Là, je vais ramasser des patates et je vais faire un petit peu de culture de patates. Je crois que je suis arrivé là, non? Je suis obligé d'appuyer sur les deux tétines pour lâcher ce truc. Là,
Mais si je me prends un oursin, je suis dégoûté. J'ai pas de... Je pense qu'ici, ce sera plus simple de partir par là, je suis pas sûr. C'est pas grave, le radeau est là. Ouh! Donc là, tout a repoussé. Ah, j'ai très soif. Donc ok, bon, maintenant je peux aller prendre des noix de coco. Ouh, je l'ai prise en sautant, celle-là. Est-ce que je peux la niquer, la machine? Je l'ai eu, non? Ouais, je l'ai eu en plus. Bon, écoute, j'ai de la chance. Mais cassez-vous, merde! Je sais pas ce que je peux en faire de la chauve-souris. Je dois la bouffer ou... La bouffe, c'est bon, mais c'est l'eau qui va me manquer. Ah, j'aurais dû prendre une bâche, j'aurais fait un truc d'eau ici. Bon bref, ce que je suis venu chercher, c'est de la palme. Faut que je me grouille. Est-ce que j'ai pas beaucoup d'eau? Et c'est vrai que si j'avais un distillateur d'eau sur cette île, ce serait quand même un peu mieux. Je fasse un aller-retour. Il faut que je prenne les patates. Pas d'autres des pommes de terre. Il me semblait qu'il y avait d'autres patates. Putain, je sais pas comment je vais faire, hein, parce que franchement, pour faire des allers-retours comme ça, je vais faire un aller-retour parce que je vais crever de soif sinon. Je trouve de la noix de coco vite fait. Bon, je vais retourner parce que bon, il y a encore de la noix de coco et tout ça, mais j'ai pas assez de flotte. Alors, qu'est-ce que j'ai à foutre? Donc j'ai ça à mettre. Qu'est-ce qu'il faut que je prenne? Reprenne ma gourde. Et le reste, je vais revenir. Ouais, le reste, je vais revenir, ok. Bon, ça fait pas beaucoup de... ça, c'est pas mon île. Mon île, c'est celle en face, là. Ah oui, j'ai des planches. J'ai pas compris, là. Ah, j'ai eu un petit bug, là. Mon île, c'est bien celle-là, hein, je pense, ouais. Moi, j'espère que ma caisse est là. Ouais, ma caisse est là. J'ai perdu des noix de coco. Oh non, pas ça, pas les requins et tout. Il y a un requin qui m'a tapé mon bordel. Ah, j'ai flippé, genre boum. Bon, j'espère que je vais arriver au bout. Bon, c'est déjà plus stable que la dernière fois. Faut pas que je m'arrête. Les caisses ont l'air de bien s'accrocher au bateau. Mais je pense qu'il me faut un vrai radeau parce que là, je perds beaucoup de temps à ramer. Bon, j'ai réussi à avoir quelques palmes. Bon, j'ai encore pas mal de palmiers sur mon île, hein, mais... Mais ouais, je pense que le faire un radeau pour gagner en vitesse, parce que là, c'est trop long en fait. Ouais, faut que j'y retourne. Il faut que je prenne une bâche pour faire un distillateur sur place.
On attache la pagaie. Je vais le retourner, ce con. Bon, il est bien là. Ça va encore. Bon, je bois tout. Finalement, je m'en sors plutôt pas mal pour l'instant. Je prends... Bon, là, j'ai une planche. Bon, j'ai quand même ramené 2-3 trucs. Dernier pour la route. Ah bah j'avais une petite sardine qui traînait encore. Faut que j'ai des pucelles. On va faire ça. Ah putain, c'est ça un petit peu de plus casse-couille. Hein. Faire gaffe aux bugs. Hein. Bon, pour l'instant, c'est pas mal. J'ai les noix de coco, je pourrais faire du baume et tout ça. Avec l'aloe là. Ah, il me faut 2 aloés, j'en ai qu'un. La juga, du pneu, ça c'est pas de... Bon, bref, j'en ai pas. Donc j'ai 2 gourdes là. Du tissu, j'ai de la tôle. J'ai combien de tôle? J'ai 2 tôles. Il faut aussi que je fasse les trucs de patates. Alors attends, je prends la binette. Je vais pas faire un potager en ton ondulé, je vais plutôt garder. Donc, une corde et 4 bâtons. Donc je peux le bricoler, mais je le mettre où? Plutôt que je le mette dans un coin comme ça. Qu'est-ce qu'il me faut? Ah oui, de l'eau. Est-ce qu'il me faut la patate? Je vais planter la patate. Ok, donc j'ai mis de l'eau. J'ai mis la moitié, donc... Parce que j'ai du mal à survivre quand même, hein. Je t'avoue que... Bon, c'est pas non plus catastrophique. Hein. Mais j'ai plus de... J'ai plus de palmito là, de mes couilles. Donc voilà. Bon, je pense que je vais stopper là pour cet épisode. Bon, on aura fait pas mal de trucs hein, quand même. On aura fait les outils. Donc on a trouvé comment faire les outils. On a crafté de la pierre. On a fait un voyage. Je ferai un petit voyage tout seul hein, pour aller chercher des trucs sur l'île là. Essayer de prendre une bâche ici. Y aller pour faire un collecteur et... Un collecteur d'eau comme ça je pourrais
naviguer entre les deux îles et pourquoi pas en visiter une troisième. Donc je vais procéder par triangulation inversée proportionnelle entre ces trois îles. C'est un peu le triangle des Bermudas ici. Voilà. Je vais faire une tentative pour tuer le requin là. Enfin bref, voilà. Bon allez, bon, je vous laisse et on se retrouvera pour l'épisode 4. Bon allez, ciao.